Dans l'effervescence de la campagne électorale, nous avons décidé d'aller à la rencontre des populations rurales dans le Burkina profond. Nous avons voulu savoir si leurs préoccupations sont prises en compte dans les différentes promesses électorales, mais surtout leurs attentes vis-à-vis du président qui a été élu à l'issue des élections du 22 novembre. Pour ce faire, nous avons mis le cap sur Oula, un village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Ouaiguia, où nous avons rencontré Issoufou Ouédraogo, un éleveur derrière ses animaux en pleine brousse. Même si ses attentes sont nombreuses, il semble ne pas trop croire aux solutions miracles scandées par les politiques. À quelques pas de là, Issa, un agriculteur, égrène un chapelet de difficultés qui constitue en même temps un cahier de doléances pour le nouveau chef de l'État. Dans la famille Savadogo, Adjara est occupée par les travaux ménagers sous un soleil brûlant. Elle se fait le porte-parole des femmes rurales qui sont confrontées à d'énormes difficultés allant du manque d'eau à l'absence d'infrastructures. Son appel sonne comme un cri de cœur. Seydou évolue dans le secteur informel. Mécanicien de son état, installé au marché de Oula, il embauche la même trompette que ses prédécesseurs. Quand on a des gens, on a des gens qui ont 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 des gens
on ne peut pas faire des alarmes. Mais si il y a ton rabat va laver les gens de taba, de mon projet n'a pas de concours. Ton de hein, il dit qu'il est en train de quitter mes tours, mais ton de pension ou ton de mes villas n'a pas de concours. Ma ton de béka, du ma ton de taille de grâce n'a pas de humains à la maison ou de cabé. Zikang, why am I making our old ton? Si tu sais, t'as son mot et Yam je ne suis pas un homme, je suis un projet qui a été fait. Je suis un homme 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 qui a été fait. Les problèmes sont énormes à l'instar de cette école sous Payot à Ouro, un village voisin de Oula. Ici, même le minimum n'existe pas. Il va de soi que les attentes de la population soient à la hauteur de leur situation précaire. Monsieur le Président, les Burkinavais vous attendent au pied du mur, espérons que vous soyez un bon maçon. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.